Rebonjour ou bonjour pour vous tous qui nous regardez peut-être depuis ce matin, en tout cas qui voulez tout savoir sur l'entrepreneuriat ICN. Voici notre table ronde spéciale entrepreneuriat. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes décident finalement de se lancer en tant que, pas forcément tout de suite chef d'entreprise, mais et on a l'idée, on a le concept, comme on dit souvent dans notre jargon, et il nous manque peut-être le financeur, il nous manque peut-être ensuite la connaissance théorique de plan marketing, de plan de financement. Il nous manque aussi peut-être de connaissances de marché extérieur, etc. Mais en tout cas, l'idée, on l'a. Et puis, j'ai envie de dire, parmi certains des créateurs d'entreprise, on la sent. C'est viscéral. On sent qu'il y a quelque chose. Mais finalement, on ne sait pas comment forcément se développer quelque chose. Des écoles comme la nôtre, et particulièrement ICN Business School, eh bien, vous permet, quelle que soit la circonstance, et j'ai envie de dire surtout, quelle que soit la formation, bachelor, programme grande école, pourquoi pas aussi si vous intégrez directement le programme MSc deuxième année à ICN Business School, eh bien, si vous voulez investir et si vous voulez aussi vous investir d'une mission, j'ai envie de dire que à ICN, l'entrepreneuriat est roi. Et puisqu'on parle de roi, eh bien, j'ai le plaisir d'en vous présenter un aujourd'hui, qui est David. David Jégon, bonjour, tu vas bien, David? Bonjour Hervé, très bien et toi? Très, très bien. Je te laisse te présenter Laisse-moi. pour nos spectateurs, s'il te plaît. Très bien, avec grand plaisir. Ben bonjour à toutes et à tous. David Jégon, je suis professeur affilié au sein du groupe ICN. Alors, professeur affilié, c'est important par rapport au sujet qu'on va évoquer tous ensemble, l'entrepreneuriat. Professeur affilié, ça veut dire que j'ai un pied dans l'école et un pied dans le monde de l'entreprise. Et il se trouve que dans le monde de l'entreprise, j'exerce une fonction de directeur exécutif au sein d'une société d'économie mixte qui a pour spécialité l'entrepreneuriat et l'accompagnement à l'innovation. Et c'est à ce titre-là que ICN Business School m'a confié la responsabilité de l'entrepreneuriat au sein de l'école. Et puis j'ai une troisième particularité, Hervé, je n'oublie jamais de le mentionner, je suis moi-même un ancien lycéen. Et en tant qu'ancien lycéen, j'ai toujours à cœur de promouvoir cette école qui, depuis le millénaire dernier, quand j'étais étudiant, promeut la créativité, l'esprit d'entreprendre. Je suis ravi de voir aujourd'hui que cette école, depuis maintenant 2 ans, a mis en place une politique d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui est particulièrement singulière et je crois pouvoir dire qu'elle est vraiment unique en France. En quoi elle est unique en France? C'est qu'elle s'adapte à tous les profils qui existent dans l'école et à tous les diplômes. Et c'est important aussi de l'avoir en tête, quel que soit votre niveau d'études au sein de l'école. C'est-à-dire que la porte de l'entrepreneuriat, elle est ouverte à tout moment, quel que soit votre diplôme, programme grande école, bachelor, que vous soyez en première année, deuxième année ou troisième année. Un étudiant qui a envie d'entreprendre, mais qui découvre cette envie, qui découvre un projet en cours de scolarité, ça n'est absolument pas un problème. On est capable aujourd'hui, grâce au dispositif que nous avons mis en place, de l'accompagner dans les meilleures conditions et d'essayer de faire en sorte que son projet soit évidemment successful. Alors, il y a combien d'étudiants aujourd'hui à ICN, là, depuis quelques mois, qui sont dans ce dispositif? Alors, le dispositif d'entrepreneuriat connaît un tel succès qu'on a un petit peu formalisé les choses en décernant un statut particulier aux étudiants qui sont en situation d'entrepreneuriat. C'est quoi C'est ce le statut statut? d'étudiant entrepreneur. D'accord. Voilà. Les étudiants qui disposent de ce statut d'étudiant entrepreneur aujourd'hui, ils sont au nombre d'une soixantaine à peu près sur l'ensemble de l'école. Et je pense que, compte tenu du bouche à oreille très positif qui existe autour de notre accompagnement, je pense qu'on dépassera largement la centaine d'étudiants l'an prochain. Ça veut dire quoi, David, quand tu parles de statut d'étudiant entrepreneur? Ça veut dire que ils ont des cours en moins, ils n'ont pas d'asso, ça se traduit comment? Alors, les cours en moins, il ne faut pas rêver, il n'y aura pas de cours en moins. En revanche, il y a des aménagements qui sont prévus qui leur permettent de maximiser le temps disponible pour mener à bien leur projet. Quand je parle d'aménagement, c'est par exemple la possibilité de réaliser une période de stage au profit de son projet entrepreneurial. Alors, bien sûr, dans des conditions très précises, avec un cahier des charges précis et un encadrement académique de premier plan, mais en tout cas, ça permet de pouvoir libérer 3 mois ou 6 mois de période de stage pour avancer dans son projet. Je crois que Nicolas, par exemple, pourra en dire un mot, puisque c'est dans ses projets pour cette année, et Alan, sans doute aussi. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui en France, ou peut-être
en Lorraine en particulier. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui en France, il y a un regain justement sur cette envie d'entreprendre comparé à je ne sais pas, 10, 20 ans ou peut-être quand nous étions nous-mêmes dans les grandes écoles? Est-ce que tu trouves qu'il y a un vrai changement d'attitude aussi peut-être vis-à-vis d'entrepreneurs? Oui, tout à fait. Je crois que depuis 2 ou 3 ans, on voit que l'entrepreneuriat attire vraiment beaucoup les étudiants. Alors, il y a parfois des modes, c'est clair, hein. Moi, j'ai connu la mode de l'humanitaire, j'ai connu la mode de l'international à tout prix. Ce sont des choses extrêmement intéressantes également. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit statistiquement, et là, c'est le prof de stats qui parle, on voit statistiquement une vraie augmentation tendancielle du nombre d'étudiants qui veulent entreprendre, et dans tous les domaines, hein, aussi bien dans le numérique que dans des secteurs plus artisanaux, plus traditionnels, et que ce soit de l'entrepreneuriat innovant ou pas. Quel est le Là, projet ce le que je... plus fou, quel est le projet le plus fou que tu as vu là jusqu'à maintenant dans la création d'entreprise? Et après, on va venir sur les parcours de Nicolas et d'Alan. Alors là, tu me poses une colle, le projet le plus fou, je Ou le pense plus étonnant que tu as pu voir, peut-être pas fou non plus, mais étonnant, tu dis, ah, oh, j'aurais jamais vu cette personne, cet étudiant, tout cet étudiant là-dessus, quoi. Alors, le projet le plus audacieux que je connaisse Voilà, actuellement, hein, dans audacieux. notre portefeuille d'étudiants entrepreneurs, c'est celui d'Alan. Parce que c'est vraiment défier des grands mondiaux. Là, Alors, vraiment, on s'attaque à du lourd. alors là, Malheureusement, Alan tu le nous sait. applaudis. Maintenant, la parole est à Alan. Alors, Justement, Alan Alan, le sait, il n'a bonjour. pas le droit de trop en parler. Bonjour. Avant de laisser la parole, je voudrais encore ajouter une ou deux choses, Hervé. Oui, vas-y, vas-y, David, avec C'est très plaisir. important aussi de bien avoir en tête qu'un étudiant qui a une idée, un projet ou même quelque chose de plus construit, quand il entre dans le dispositif de l'entrepreneuriat à lycéenne, il bénéficie d'une confidentialité maximale. Et les projets les plus fous, les plus audacieux sont aussi ceux qu'on doit protéger en termes de propriété intellectuelle. Donc évidemment, j'ai demandé à Alan d'être le plus flou possible dans la présentation de son projet. En revanche, il pourra nous parler de l'accompagnement, etc., tant qu'il veut. Mais sur l'idée, on va rester Non, peut-être mais assez discrète, c'est important. Alan, tu as de la chance. De toute façon, on n'est enregistré que sur Internet, donc il n'y a aucun souci. Ça restera très confidentiel entre nous. Juste une dernière question, David, avant de passer la parole à nos deux jeunes entrepreneurs. Est-ce que le dispositif d'entrepreneuriat, c'est une question de l'un de nos spectateurs qui viennent de poser. Le dispositif d'entrepreneuriat concerne-t-il uniquement Nancy ou le proposez-vous aussi sur Paris La Défense? Alors, tous les campus, d'ailleurs, Alan est actuellement sur le campus de la Défense. Tous les campus sont accompagnés exactement de la même façon et avec, j'allais dire, la même envie d'aider à réussir. Je voudrais juste encore ajouter un point qui est très important parce que c'est différenciant par rapport à beaucoup d'autres écoles supérieures de commerce. C'est le partenariat que nous avons avec ce qu'on appelle le pôle Pépite, PILE, Pôle Entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Il faut savoir que le pôle étudiant entrepreneuriat de Lorraine, c'est le premier pôle entrepreneurial de France. ICN a passé un accord avec ce pôle entrepreneurial qui nous amène énormément d'avantages. Et sans avoir à payer de frais de scolarité supplémentaires, les étudiants d'ICN bénéficient automatiquement d'un accompagnement renforcé et du statut national d'étudiant entrepreneur qui facilite bien des choses quand il s'agit d'aménager leur parcours. C'est Ça, c'est super et je pense que important. c'est très important de dire dans le contexte actuel que la Lorraine est l'un des acteurs les plus importants et en tout cas les plus impactants, j'ai envie de dire, sur la création d'entreprises. On parle de Nancy, on parle évidemment de Metz, de toute la Lorraine et c'est ce savoir-faire que l'on permet aussi d'extérioriser sur Paris La Défense grâce à ce savoir-faire et particulièrement le tien. Moi, je tiens d'ailleurs en ce moment et publiquement à féliciter David pour son encouragement parce qu'à chaque fois qu'il parle, on a envie de créer quelque chose d'exceptionnel et avoir des tuteurs comme David, pour moi, ça me donne envie de repartir dans Ah. mes études, d'une part, mais aussi ça me donne certainement envie de créer. Alors, Alan, quel est ton parcours avant d'arriver justement à ICN? Tu peux nous expliquer, s'il te plaît, ce que tu as fait en termes d'études? Et puis finalement, j'ai envie de dire, pourquoi as-tu choisi ICN Business School? La parole est à toi. Bon, bonjour à tous déjà. Mon parcours avant ICN Business School est assez atypique. De base, donc j'étais en baccalauréat professionnel gestion administration. Mais j'ai toujours eu une assez grande ambition. Donc, j'avais passé des concours pour aller à Novantia Business School, Paris, qui faisait partie aussi du concours Passerelle, avant de se faire attraper par le CP Europe. Malheureusement, je n'ai pas réussi à valider donc, ma première année. J'ai laissé, donc, c'était en stage en première année quand j'étais aux îles Canaries. Et au final, j'ai travaillé dur justement pour aller pour des concours, pour aller justement à Harlem Prépa.
Donc, c'est un BTS commerce international avec option prépa intégrée au concours des grandes écoles de commerce. Ce qui m'a permis justement, donc toute la semaine, j'avais des cours, donc les cours entre guillemets normaux, donc de BTS commerce international, plus le soir, j'avais la prépa pour passer les concours en grande école de commerce et le week-end aussi, qui me faisait aussi quand même des semaines assez chargées. Assez chargé, mais alors je vais te dire, tu tombes pile poil dans la semaine, on va dire, nationale de l'intégration du dispositif aux grandes écoles, hein, que souhaite le gouvernement et le président de la République cette semaine, puisque l'objectif aussi est d'ouvrir les grandes écoles, quelles qu'elles soient. On parle des écoles publiques comme l'INET, l'ED, l'ENA, etc., mais aussi des grandes écoles type HEC, ICN, bien sûr. Et c'est un parcours, Alain, un peu que tu illustres en disant, ben voilà, si je comprends bien, en voulant, en ayant de la ténacité, on arrive à intégrer ce type d'école également, c'est ça? Exactement, avec de la détermination. Après, j'ai trois mots justement pour pouvoir les dire. Donc, c'est DTR, entre guillemets, donc déterminé, travail et rigueur, ce qui donne aussi un mot, donc déter, mais DTR, voilà. Ben voilà, on a DTR Business School avec nous. Et puis j'ai envie de dire, un peu spécialisé casquette et suite, hein, d'accord? Donc là, on est dans la vibe. Fini l'entrepreneur qui avait son costard cravate. Maintenant, on l'a fait à la mode New York. Et en tout cas, on va revenir sur ton projet, Alan, dans quelques secondes. Je passe la parole à Nicolas. Est-ce que tu peux toi aussi décrire un peu de là où tu viens et pourquoi tu choisis cette école? Ouais, pas de souci. Bonjour à tous. Moi, je viens de base d'un baccalauréat scientifique, spécialité SVT. Et j'ai fait comme Alan un BTS commerce international avant d'intégrer ICN. Voilà. Et donc, ton BTS, tu l'as fait où? Je l'ai fait à Châlons-en-Champagne, à côté de Reims. D'accord, ok. Et pourquoi ICN alors? J'aurais dit, là, j'ai justement eu le temps d'y penser par rapport à Alan, je vais dire Artem, parce que justement j'ai pu discuter avec du coup notre tuteur commun avec Alan, David. Moi je vais postuler pour l'école d'ingénieurs ENS-GASI, et Voilà. donc c'est l'avantage énorme que possède Artem par rapport à beaucoup d'écoles de commerce, quoi. Alors, Artem, je le rappelle pour tous nos spectateurs, c'est Art Technology Management. Donc, c'est un concept unique là aussi en France, pour reprendre l'expression de David de tout à l'heure, à savoir, nous proposons, que ce soit pour les bachelors ou que ce soit évidemment pour la filière grande école, la possibilité d'étudier des cas, on va dire, spécifiques sur le domaine de l'ingénierie et sur le domaine de l'art et le design, mais aussi de partager certain nombre d'heures de cours et puis d'étudier, on va dire, en temps réel et pour des entreprises, on va dire, et d'avoir des vraies études de cas stratégiques menées de pair avec les élèves des mines et de l'ENSAD, donc sur Nancy, et bientôt avec le même dispositif proposé à la Défense et également à Berlin. Donc ça, c'est très important parce que c'est, j'ai envie de dire, l'ADN, à propos en parler de cette école. On parle souvent de l'accompagnement, on parle évidemment de la triple accréditation qui est une force conséquente justement pour avoir aujourd'hui, pour avoir les meilleurs profs, mais aussi pour être à recruter les meilleurs étudiants. Et troisième argument, pourquoi les étudiants viennent d'ailleurs dans notre école, c'est cette conception pédagogique très innovante, art, technologie, management, et visiblement c'est le choix, c'est ce pourquoi Nicolas et Alan justement sont venus chez nous. Alors, Alan, comment devient-on justement un entrepreneur? Comment tu es passé, j'ai envie de dire, à cette fibre d'entrepreneuriat sur cette idée, que tu ne peux pas nous en dire énormément de choses, mais est-ce que tu peux nous orienter quand même sur un sujet pour expliquer ce que tu fais, on va dire, aux côtés de David? Déjà, l'idée d'entreprendre, je pense qu'elle m'a accompagné tout au long de ma vie. J'ai toujours voulu entreprendre, Avais des monter parents mon. qui étaient peut-être déjà dans l'entreprise ou Comment? tu avais déjà peut-être des parents qui étaient dans ce Non, du sens-là tout, également, qui du t'ont tout, poussé? justement, du tout. Vraiment, je pense que. Non, sincèrement, pas du tout. Mais j'ai toujours eu, justement, en observant, justement, tout autour de moi, je me suis toujours dit qu'il fallait que j'entreprenne, qu'il fallait que, justement, que je bouge des choses. Ce qui est aussi un peu mon idée en entrepreneuriat, justement. Par exemple, à côté de l'école, je suis aussi manager d'un artiste aussi. C'est aussi un peu entreprendre aussi, pouvoir démarcher des labels, pouvoir démarcher justement après comment dire, des maisons de disques et autres. Donc, j'ai toujours vraiment eu cette idée justement d'entreprendre. En arrivant à ICN, j'avais une autre idée de base. Donc, c'était, je peux la dire celle-là, c'était Gym Generator. Donc, c'était une idée, une application qui était disponible sur toutes les plateformes pour pouvoir justement se faire un entraînement personnalisé en fonction justement en ayant quatre fonctionnalités. Donc, on sélectionnait le temps, le type de programme, son poids et son objectif. Mais Et au ça m'intéresse final, complet, ça. Moi, ça m'intéresse vraiment, exactement. ça.
Bah, si vous voulez, je peux vous en parler après. Tout ce qu'il faut pour maigrir un minimum de temps et sans faire de sport, je prends moi perso, hein, donc. Et Au donc final, pourquoi? après, donc en parlant avec, avec Monsieur Gigon, je lui avais parlé aussi de mon autre idée. Et clairement, il m'a fait comprendre que mon autre idée, justement, entrepreneuriat, mon autre projet, était complètement plus intéressant, que ce soit sur le moyen et surtout sur le long terme. D'accord. Nicolas, de ton projet, tu peux en discuter un peu plus? Oui, un petit peu plus, ouais. Du coup, moi, c'est un projet qui s'appelle Vitili et que j'ai qui tient sa source, en fait, de là où j'ai fait mon BTS à Chalon. J'ai découvert un problème dans les vendanges du champagne. C'est qu'il y a beaucoup de résidus, beaucoup de choses qui ne trouvent pas, en fait, preneur et trouvent pas de produits avec une vraie valeur ajoutée. Donc, mon projet avec Vitili, c'est de développer des spiritueux sans alcool et des boissons légèrement alcoolisées et sans sucre. Les deux sans sucre, en fait, beaucoup plus sains et voilà. C'est mon projet que je mène de front avec l'aide de David et de tout ce qu'on a sur ICN pour bien travailler et faire de. Là, c'est pareil, Nicolas, tu as été poussé par une voie intérieure uniquement ou tu avais autour de toi un environnement déjà propice à l'entrepreneuriat? J'ai pas eu forcément l'environnement. Je pense que c'est quelque chose d'assez inné, d'avoir toujours des idées qui fusent. Je pense que c'est quelque chose de commun quand justement on en discute avec les étudiants entrepreneurs du PIL et de l'ICN. C'est quelque chose plutôt inné et plutôt ouais, viscéral comme vous l'avez dit. J'ai une question pour vous deux, mes chers étudiants, qui vient de tomber. C'est lorsqu'on rentre dans un dispositif comme le nôtre, est-ce qu'on peut quand même participer à la vie de campus et à la vie associative notamment? Comment ça se passe justement cette dualité, du statut étudiant-entrepreneur et étudiant tout court, je veux dire par rapport aux potes d'à côté, Bien Alan? sûr, ouais, d'accord. Bien sûr qu'on peut participer à la vie associative. Donc justement, bah, pour pouvoir rentrer dans le dispositif étudiant-entrepreneur, donc d'abord, on a un choix à faire. C'est soit justement prendre une association ou soit être justement bah, étudiant-entrepreneur. Donc d'abord, il y a une étude entre guillemets de dossier pour voir justement si notre projet est viable. Mais à la suite de ça, justement, donc il y a tout un dispositif autour justement de l'entrepreneuriat. Mais autour, si on veut aussi participer à une association, il n'y a aucun problème justement pour participer à une association. Par contre, il faut quand même savoir gérer son temps dans l'entrepreneuriat aussi, dans le projet associatif. D'accord. Alors, il y a une question qu'on peut légitimement poser cet après-midi, c'est OK, vous êtes bien, vous êtes beau, vous avez envie de vous éclater, tout ça, etc. Mais moi, franchement, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, j'ai pas d'argent, moi. Alors, moi, je veux bien avoir des idées d'entreprise, mais j'ai pas d'argent. Donc, moi, si j'ai pas d'argent, c'est pas la peine de me faire fantasmer quoi que ce soit, parce que je vais être déçu, je vais être frustré de cette école. David, est-ce qu'on a des solutions par rapport à ce type de questionnement, une nouvelle fois très légitime? Oui, bien sûr, c'est une question extrêmement importante et je le redis à chaque fois à tous les étudiants entrepreneurs que je rencontre, l'argent ne doit jamais être un problème. Quand je dis l'argent ne doit jamais être un problème, c'est sous-entendu on s'en occupe. Il faut savoir que l'incubateur où je travaille, donc où je suis directeur exécutif, bénéficie du label incubateur d'excellence et c'est notre métier que de trouver l'argent. On ne demandera jamais à des étudiants de rassembler une somme d'argent importante pour mener à bien leur projet. Le principal objectif dans la période d'incubation d'un projet, c'est le financement, la constitution des fonds propres. Donc surtout, merci pour cette question, Hervé, n'hésitez pas à entreprendre parce que vous vous dites que vous êtes issu d'un milieu qui n'aura pas forcément les moyens de vous financer, etc. C'est une très mauvaise raison pour renoncer à entreprendre. L'ICN a la chance d'être branché de façon très étroite, très intime avec l'ensemble de l'écosystème d'innovation de la Lorraine et du Grand Est. Et nous avons dans nos partenaires des structures qui sont spécialistes de ces questions justement de financement. Et quand un projet étudiant a atteint une certaine maturité, qu'il s'agit à un moment donné eh bien, de le financer, eh bien, à ce moment-là, on met tout en œuvre pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Vos deux projets, Nicolas et Alan, est-ce que nécessiteront justement un financement important ou justement vous avez réussi enfin, David et toute l'équipe justement ICN, vous a aidé effectivement sur cette voie-là? Pour ma part, exactement, il va falloir justement donc faire, je pense, c'est quand même une bonne levée de fonds. C'est une application, voilà ce que je peux dire, c'est une application mobile qui sera disponible donc, sur iOS et Android. Il va falloir donc une bonne levée de fonds, mais comme justement a dit Monsieur Gigon, et ce qu'il me répète souvent, l'argent n'est pas un problème. Il faut travailler justement sur son projet. Et de là, après, on présente notre projet justement au sein justement bah, de levée de fonds pour En pouvoir. Lorraine, Hervé, on a la chance d'avoir une région qui est très attentive à la question de l'entrepreneuriat, qui veut aider les bonnes idées.
Quand une idée est bonne, elle peut bénéficier d'une aide de 30 000 euros. 30 000 euros. Si l'idée est bonne, bien entendu, mais quand une idée est bonne, l'argent afflue. Il y a vraiment aucun souci là-dessus. Et le dispositif très généreux mis en place par la région Grand Est, il faut le souligner, eh bien, c'est un dispositif dont peuvent bénéficier nos étudiants lycéens, même s'ils sont, je le dis, et pour Alana, même s'ils sont sur le campus de Paris, Oui, c'est c'est ce que j'allais dire. la famille lycéenne, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la famille lycéenne. Lycéenne, je rappelle, une école, trois campus, mais même traitement et mêmes avantages, quel que soit le lieu que vous prenez. J'ai une question pour toi, un peu plus délicate peut-être, David, mais c'est une question qui revient souvent aussi. C'est la question, bah, tiens, voilà, mon idée, elle était top là pendant 2, 3 ans avec toi quand j'étais, bah, elle a bien été développée et au bout de, allez, 48 mois, un peu plus peut-être. Bingo, ça n'a pas forcément bien marché. Alors, sans parler d'échec, puisqu'il n'y a pas de mot échec, il n'y a que de mot apprentissage que moi j'y vois, on va dire, dans quelques entreprises qu'on peut avoir. Comment justement, toi, ou comment l'école accompagne aussi cet autre côté finalement de l'entrepreneuriat, à savoir la non, le non, la non, réussite, j'aime pas ce mot-là non plus, mais en tout cas, L'arrêt nous ne du sommes pas projet. arrivés à faire cette L'arrêt. idée-là, on va entreprendre certainement une autre. Est-ce qu'il y a quelque chose pour aussi remonter le moral peut-être à des entrepreneurs qui, peut-être de temps en temps, ont le moral qui vacille, quoi? Alors, bien sûr, Hervé, bien sûr, il y a beaucoup de projets qui bah, s'arrêtent. Alors, parfois définitivement, parfois momentanément. Moi, j'ai l'exemple aussi d'étudiants qui ont arrêté pendant 2 ans pour aller voir un peu ce qui se passait dans le monde, qui sont partis en césure à l'étranger et qui reviennent et qui réactivent leur projet. Hein, c'est le cas, par exemple, d'un de nos étudiants qui travaille sur un projet de literie du futur. Là aussi, je ne peux pas en dire davantage, mais enfin, Bien qui sûr. aujourd'hui est à un stade très avancé. Donc, effectivement, ça arrive. Quand ça arrive, il y a plusieurs choses à se dire. Premièrement, tu l'as dit, hein, ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas un échec. On a gagné en maturité professionnelle. Je reprends un peu l'expression qui a été citée dans la conférence précédente, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi, comme l'apprentissage, une façon d'accélérer en maturité professionnelle. Parce que quand on est étudiant entrepreneur, on doit voir plein de choses. On doit avoir un regard à 360 degrés sur les problématiques de l'entreprise, sur son environnement. Donc, c'est sûr que c'est très formateur. Donc, même si le projet en lui-même s'arrête, il y a un acquis. Il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des savoirs qui sont acquis, et ça, c'est important. L'autre point important que je voudrais souligner, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est de bien comprendre que l'entrepreneuriat à l'ICN, ça n'est pas une spécialité. Hein, nos étudiants entrepreneurs ont un statut d'étudiant entrepreneur, mais comme tous les autres, ils ont à choisir des spécialisations, des routes, des électifs, etc. Hein. Donc, c'est un statut, mais pas une spécialisation. Si bien que celui dont le projet s'arrête, eh il reste malgré tout un étudiant en finance ou un étudiant en Voilà. marketing, une bonne école de commerce. Et il n'y a aucun décrochage possible parce que justement, vous êtes toujours des étudiants. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous faites comme spécialisation aujourd'hui à ICN, Nicolas et Alain? Nicolas? Niveau spécialisation, bah du coup moi je l'ai pas forcément dit, mais je suis en English Track du coup en PGE1. Et spécialisation, du coup moi j'ai pris Cultural Entrepreneurship sur l'électif du semestre 2. D'accord. Et Alain, à Paris? Je suis donc en programme grande école en première année et l'année prochaine je compte faire un master en International Business Development. D'accord, ok. Donc, dans une filière, là aussi, pro-européenne, pro-international, International. assurément, pour Alan. Il reste 2 minutes, vous voyez un peu, là, ça se passe très, très vite. J'ai une question, David, un peu pas provocante, mais là, on n'est que des hommes. Est-ce que, quand même, les femmes aujourd'hui sont aussi, et nos étudiantes en particulier, sont bien investies de cette mission entrepreneuriale où tu trouves, statistiquement parlant, puisque tu es le roi de la statistique également, eh bien, que ça reste quand même, que les hommes osent peut-être plus, ont plus la culture du danger ou de voilà, du doute aussi peut-être, que les femmes. Est-ce qu'il y a des lois là-dessus? Alors, des lois, non. Des chiffres, oui. Effectivement, on a une surreprésentation masculine chez les étudiants entrepreneurs et pour de mauvaises raisons. Je pense que, en tout cas, à écouter les quelques jeunes étudiantes entrepreneuses qui sont aujourd'hui accompagnées à ICN, je vois bien qu'elles ont toutes en commun une forme de réserve, comment dire, peut-être de pudeur aussi parfois, ou en tout cas de crainte
par rapport à ce que représente l'inconnu de l'entrepreneuriat, peut-être davantage en recherche de sécurité. Il ne faut pas du tout voir de propos misogynes. Du tout, non, 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 mais c'est des statistiques. Je constate qu'il y a, voilà, qu'il y a effectivement, grosso modo, 4/5 de nos effectifs qui sont des hommes. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on voit dans le sport de haut niveau. Beaucoup de femmes pratiquent le sport, des jeunes filles, on va dire, dès qu'on arrive sur le sens de la compétition, il y a un décrochage en France. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont là aussi les écrits économistes qui le prouvent, et bien qui font que les filles arrivées entre 15 et 18 ans délaissent le sport de compétition parce qu'on s'y retrouve moins, ce qui est moins le cas peut-être des femmes, on va dire aujourd'hui dans les pays anglo-saxons et assurément dans les pays nordiques. Donc, on a une culture française encore un peu masculine, on va dire là aussi sur l'entrepreneuriat. Oui, en tout cas, je constate aussi que le 1/5 d'étudiantes entrepreneurs ou entrepreneuses, c'est 1/5 qui est particulièrement travailleur, besogneux, acharné. C'est-à-dire que j'observe que quand une étudiante décide d'entreprendre, en général, elle se donne vraiment énormément de moyens pour le faire. Et messieurs, je suis désolé, mais c'est un fait, je le constate, elles sont beaucoup, beaucoup plus sérieuses, travailleuses, acharnées au travail. Et le taux d'échec est plus faible. Nicolas et Alan, vous le saviez dès le départ en rentrant à ICN qu'il y avait une, on va dire, que l'entrepreneuriat était une culture irrigante l'ensemble de nos formations, ou alors c'est en étant, en parlant avec les profs, avec l'administration, que vous avez appris justement qu'il y avait sous tout ce dispositif de l'entrepreneuriat? Moi, c'est en me renseignant justement au moment des admissions parallèles que j'ai vu qu'il y avait des très gros investissements qui allaient lancer ICN dans l'entrepreneuriat, comme le bâtiment que j'ai derrière moi, Station A, qui ouvre justement là, qui a ouvert. Et, prochainement, ouverture prochaine. Quand ce sera possible. Voilà. Mais qui donne vraiment la part belle, ouais, à l'entrepreneuriat. Et puis, en défilant en aiguille, il y a quand même un écosystème assez énorme, dont les deux incubateurs qu'on a sur Nancy même, qui sont incubateurs d'excellence, et puis le PILG dont on a parlé. Tout à l'heure. Ouais, on est quand même, on est dorloté, quoi. Et Alan, donc tu le savais avant de venir à ICN, ou c'est vraiment en prenant aussi des informations une fois intégré? C'est aussi en prenant des informations une fois intégré, ou même peut-être un peu avant mon intégration, mais je savais que ICN était aussi mon premier choix, grâce aussi à la trans, justement à le fait qu'un étudiant puisse travailler sur des projets, sur les CB Days, avec les écoles d'ingénieurs ou d'art, comme on a fait donc en début d'année. Donc les CB Days, ce sont des périodes pédagogiques calées dans l'année, avec justement cette découverte de travail avec des élèves ingénieurs et des élèves artistes designers. Et c'est ce qui fait une expérience pédagogique unique aujourd'hui en France, parce que je peux vous dire de ce que j'en observe, moi de mon côté, c'est que les méthodes de travail d'un élève ingénieur ne sont en aucun cas identiques à celles de nos élèves managers, et encore moins à celles d'élèves designers artistes, et tout ce beau monde finalement un jour se rencontre dans une entreprise, et nous, déjà, on forme nos étudiants à travailler ensemble. C'est un gain de temps monumental avant d'intégrer, on va dire, le monde de l'entreprise. C'est à souligner. J'ai deux questions pour vous, les étudiants. Alors, est-ce que pour vous, vous estimez qu'il est difficile de gérer à la fois les cours et à la fois votre projet d'entrepreneuriat? Alan, est-ce que pour toi, c'est combiner les deux, c'est plutôt facile, ou alors tu trouves quand même qu'il faut avoir une certaine logistique aussi et organisation spécifique? Tout est une question d'organisation. C'est vrai qu'il est, on va pas se mentir, c'est pas forcément facile, mais au final, après, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, de la détermination, de la rigueur et du travail, justement, on y arrive. Donc, c'est pas compliqué, c'est pas facile non plus. Il faut juste bien s'organiser et après, on y arrive. C'est comme dans tout, je pense. Nicolas, t'arrives à combiner les deux? Je suis du même avis. Après, ça reste quand même à voir. Il y a une partie qui est, dans tous les cas, dans l'entrepreneuriat, assez complexe à mener de front un projet. Mais on nous ouvre quand même énormément de portes. Monsieur Jégon l'a très bien dit sur le stage, donc qu'on peut faire dès la première année. Donc, c'est compliqué quand même de mener de front un projet à notre âge. Mais on nous aide quand même énormément, faut le dire. Il y a des notes qu'on peut avoir en passant par notre projet et en menant des dossiers. Donc, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits à notre égard. Et je tiens aussi à rajouter qu'aussi on est très très bien suivi par David Higon et Bertrand Nau aussi, la personne responsable qui s'occupe de nous, un tuteur du PIL qui nous permet aussi justement de suivre nos projets, de voir l'avancement de notre projet. Donc au final, c'est pas si compliqué que ça, en tout cas pas ici.
Super, Moi, je c'est voudrais intéressant revenir et ça, c'est Hervé important sur de le. les. Pardon, Hervé, je voudrais revenir sur les Cibides, puisqu'on en a parlé, et puis sur la culture Artem, c'est important. Je voudrais pour préciser un tout petit peu que ces moments-là sont parfois l'occasion de se découvrir une envie entrepreneuriale ou une âme d'entrepreneur. Et chaque année, que ce soit les Cibides ou la semaine Artem Insight, qui est une semaine bloquée hein, avec les trois écoles, une sorte de challenge qui permet de faire de la résolution de problématiques au service d'entreprise. Et bien, chaque année, ces moments clés Artem sont des moments où on voit des entrepreneurs éclore. C'est-à-dire que les étudiants qui étaient venus sans savoir qu'une semaine plus tard, ils allaient s'emparer d'une idée et en faire un vrai projet entrepreneurial, bien, ça se produit tous les ans. Alors, une question pour toi, David, comment se passe le suivi de projet dans cette période sanitaire compliquée? Alors, très bonne question. On a été très réactifs à ICN puisque dès le début du mois de mars 2020, nous avons mis en place une plateforme que Nicolas et Alan connaissent bien, qui là aussi, je crois qu'il n'y a aucune école qui propose une telle, comment dire, un tel accompagnement, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, enfin en tout cas 7 jours sur 7, une plateforme qui nous permet de maintenir des liens, de poser des questions, de partager des expériences. Je ne vais pas citer de marque hein, sur la plateforme en particulier, mais en tout cas, je crois que nos deux étudiants peuvent en témoigner. Ça marche très très bien. Ça permet un accès direct aux enseignants. Ça permet de partager aussi des problématiques avec des étudiants qui rencontrent les mêmes écueils ou les mêmes difficultés. Et donc, on a réussi à maintenir une forme de d'interaction très forte. Et je crois qu'on n'a pas perdu de temps, en tout cas pour ceux qui ont commencé leur projet en mars dernier, on n'a pas perdu de temps dans l'avancement des projets malgré la crise sanitaire. Alors, l'entreprise et l'entrepreneuriat, particulièrement haïtienne, c'est certes que les grands parcours qu'on vient d'entendre de Nicolas et celui d'Alan, mais il y a aussi des associations, et je pense à une association particulière qui est l'association entrepreneuriat. On peut en dire deux ou Absolument. trois mots aussi, parce que dans cette association, il n'y a pas forcément des personnes qui veulent ou qui ont une idée tout de suite pour créer, mais qui ont déjà la fibre. Donc, une association hyper dynamique et avec également, parce que c'est une question, également des étudiants bachelor qui y sont, des étudiants programme grande école. C'est une association mixte, comme on l'appelle dans notre jargon haïtien. Deux ou trois mots là-dessus, David, puisque je sais que tu es tuteur de cette association. Exactement, c'est une association qui est relativement jeune, puisqu'elle a été créée il y a 3 ans, aux prémices de cette idée que ICN pouvait devenir une école particulièrement entrepreneur friendly, pour dire les choses comme ça. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans, c'est l'une des plus grandes associations en nombre et en projet de l'école. Donc, c'est aussi symptomatique. Ça veut quand même bien dire qu'on a cette vraie dynamique et cet effet d'entraînement qui, autour de l'entrepreneuriat, retentit jusque dans le monde de l'associatif, dans le monde associatif de l'école. C'est une association dont le but premier est de promouvoir l'esprit d'entreprendre. Ce n'est pas une association d'accompagnement à l'entrepreneuriat. On distingue bien les choses à l'école, mais c'est très important que cette association puisse jouer son rôle parce qu'elle favorise des rencontres, elle organise des webinaires. Quand on pourra le faire, elle réorganisera des petits déjeuners, des rencontres avec des anciens qui ont entrepris. On n'en a pas parlé, mais on pourra en dire aussi quelques mots. Il y a quelques très, très belles success stories dans l'historique de l'ICN. Et cette association-là, elle a aussi un rôle très important dont je voudrais parler, qui est celui d'aider les étudiants entrepreneurs à éventuellement trouver des coéquipiers. Parce que on n'en parle pas assez, mais il y a des étudiants entrepreneurs, il y a des étudiants qui ne veulent pas entreprendre, mais qui s'intéressent à la question de la création d'entreprise et qui se sentent attirés par eh bien, devenir coéquipiers d'une aventure entrepreneuriale plutôt qu'un parcours professionnel classique. Et ça, pouvoir faire matcher des profils, faire se rencontrer des étudiants avec des étudiants complémentaires, y compris hors ICN d'ailleurs, on parlait de l'ENSGSI tout à l'heure, je crois que c'est vraiment une grande richesse. Nancy, je suis désolé, je vais refaire un peu de statistiques, Hervé, mais la ville de Nancy, 110 000 habitants, 33 000 étudiants.
Quand on crée son entreprise, c'est quand même intéressant d'être dans un vivier comme celui-là pour trouver un ou plusieurs partenaires. Puis à l'échelle. On parle de création d'entreprise très brièvement. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités justement d'être mis en contact avec des chefs d'entreprise qui veulent céder leur entreprise? On parle justement de la reprise d'entreprise. On sait très bien qu'il y a énormément d'entreprises qui restent sur le carreau parce qu'il y a une absence de repreneurs. Est-ce que ICN et toi en particulier avec aussi tout le dispositif ICN, eh bien, on est à l'écoute justement de ces repreneurs. Quels sont les dispositifs qu'on peut avoir là-dessus? Absolument. Alors, nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas nantiens le savent peut-être pas, mais le mouvement national Tous Repreneurs est né à Nancy. Voilà. Donc, on a une vraie culture aujourd'hui sur cette question de ce qu'on appelle dans notre jargon le repreneuriat. Voilà. Et on a une vraie, y a un vrai intérêt aussi pour certains étudiants de se retrouver en situation de repreneuriat. Les trois piliers de l'entrepreneuriat à l'ICN, pour les détailler brièvement, c'est l'entrepreneuriat classique. Donc, vous avez une idée plus ou moins précise et puis on l'amène d'incubation jusqu'à l'accélération. Donc, l'entrepreneuriat classique. Deuxièmement, c'est le repreneuriat que tu viens de citer. Et là, on est bien placé avec le mouvement national Tous Repreneurs pour permettre à des étudiants qui le souhaitent eh bien, de se positionner sur une reprise d'entreprise, qu'elle soit innovante ou pas. Et le troisième pilier, c'est l'intrapreneuriat, qui là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, auquel on sensibilise nos étudiants. L'intrapreneuriat, c'est la possibilité de créer son entreprise dans une autre entreprise en bénéficiant de son environnement. D'accord. Donc, c'est vraiment un dispositif complet. Et ça, c'est important de le dire. Le repreneuriat aujourd'hui, c'est aussi une des clés de succès. C'est-à-dire, ça vous permet justement d'être votre propre responsable d'unité, mais en même temps, de penser aux emplois et de sauver aujourd'hui les emplois. Ça peut être des TPE comme des PME, PMI. Absolument. Dernière question pour Nicolas et Alan. Quels sont les conseils que vous donneriez aux futurs étudiants là, qui veulent frapper à la porte d'ICN dans le domaine qui nous concerne, hein, cet après-midi, l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez des conseils, des petits, voilà, des petits, des petits, des points importants à leur donner? Nicolas, je te laisse. Alan n'a pas trop de choses à dire. Non, je. Moi, j'aurais dit venir parler, venir beaucoup, enfin parler sur chercher les contacts, les premiers contacts. Je pense que c'est vraiment formateur et d'avoir les bons jalons pour démarrer et avoir les bons conseils pour ça fait gagner des mois ou des années. Et, ouais. Venir même nous parler sur LinkedIn ou Oser parler. voilà, ouais, exactement. La Venir voir les communication. anciens ou voilà. Alan? Pour ma part, c'est de croire en vous. Même si une personne vous dit que votre idée n'est pas forcément la bonne, une autre personne peut la trouver excellente. Toujours croire en vous, rester déterminé, rester focus et le travail paye toujours. Donc au final, non, c'est mes derniers mots. Ouais. On va rester focus aussi avec David. Alors, focus, ok, mais quel conseil on va leur donner, nous, de notre côté? Le conseil à nos futurs étudiants entrepreneurs? Ouais. Ah, c'est évidemment c'est la persévérance. Et puis j'ai cru entendre tout à l'heure que si le monde n'a aucun sens, pourquoi ne pas en inventer un? Eh bien, je crois qu'on est Absolument. vraiment bien dans la thématique aujourd'hui avec l'entrepreneuriat. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment c'est sky is the limit, quoi. C'est de rester créatif au maximum et de croire en ses chances, de persévérer et puis surtout de pas faire cavalier seul. Ça, c'est très important. Je le redis à tous. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui ont une super idée, qui ont envie de la garder que pour eux, mais je leur dis que souvent, la clé de la réussite, c'est quand même de réussir à s'entourer et à construire une équipe. Et ça, à Absolument. ICN, on sait faire. Donc, en tout cas, le monde dans lequel on vit n'a peut-être aucun sens, ça c'est clair et net, mais en tout cas, on a les moyens de trouver les clés comme Alice au pays des merveilles. Et je pense que là, on a deux pépites, deux petites merveilles qui vont certainement faire parler d'eux dans les prochains mois, dans les prochaines années. Les gars, c'est exactement ce que je vous souhaite. Une success story puissance 10 000, d'accord? Ça c'est clair. Eh bien, Alan, merci infiniment d'avoir consacré, vous avez vu, 45 minutes sur ce sujet et on pourrait rester un peu plus, mais là, je pense qu'il faut laisser aussi la clé, Clairement. laisser les gens, on va dire, partir aussi profiter du week-end. Nicolas, merci infiniment. Bonne chance aussi dans ce succès, on va dire, et j'espère pouvoir goûter très rapidement cette spécialité made by Schedel, hein, parce que là, j'ai envie d'avoir un peu plus, mais concrètement, comment ça se passe. David, tu es toujours à l'écoute des étudiants, si les étudiants lycéens nous écoutent, que ce soit bachelor, que ce soit MSc, que ce soit programme grande école.
tous les étudiants de tous nos programmes de formation initiale sont invités aujourd'hui à entreprendre. David et la cellule entrepreneuriat est là pour vous écouter à n'importe quel moment. Donc, y compris pendant cette période sanitaire, on l'a bien compris que ton dispositif était encore plus vigilant et cette vigilance se manifestait encore plus par l'accompagnement. Merci infiniment, David, d'avoir été là cet après-midi avec nous. C'était une super table ronde. J'ai vraiment kiffé, comme dirait Alan, eh bien de l'animer cet après-midi. Je vous remercie à vous tous aussi d'avoir assisté à cette deuxième journée porte ouverte virtuelle. Vous allez pouvoir retrouver tous ces enregistrements très prochainement également sur les réseaux sociaux, le temps de faire un petit habillage sympa, un peu plus dynamique, et tout ça va être mis, on va dire, et bien sûr, sur les réseaux. J'en profite pour remercier des tas de gens. D'abord, pour remercier tout le personnel professoral investi à mes côtés dans cette grande journée. Je remercie toute mon équipe à la communication marketing sous la houlette de Alexandre Frachet, Kemal, Anissa, Catherine, Alexandra, qui étaient là aussi présents avec nous. Je remercie tous les responsables administratifs également de l'école qui ont fait cette demi-journée, cette journée aussi avec moi. Je ne peux pas partir sans remercier la régie, en l'occurrence la super équipe Passe Muraille qui est à Strasbourg et qui fait des super opérations événementielles en réel et digital virtuel comme la nôtre. Donc bravo, chapeau bas, on va dire, à l'équipe de Passe Muraille de nous avoir accompagnés dans ce dispositif. On se retrouvera prochainement pour d'autres IJPO, comme on dit dans le jargon. N'hésitez pas à rester, à vous connecter sur nos réseaux et à vous abonner à tous nos fils d'informations sur ces différents sujets. Les concours, c'est bientôt, Parcoursup, donc n'oubliez pas, donc début mars, c'est la clôture, donc vous devez très vite vous orienter déjà, et j'espère bien, vers le bachelorisienne promotion, que ce soit à Paris ou que ce soit à Nancy. Et puis évidemment, pour les admissions parallèles, c'est le concours passerelle, n'oubliez pas. Donc la clôture vers mi-avril, vous avez encore un peu de temps pour vous inscrire, mais optez pour ICN. Vous avez vu, c'est une école familiale, c'est une école où on apprend et on ose, et je pense que ça, c'est suffisamment rare pour pouvoir le dire aussi. Merci infiniment, très bon week-end, et j'espère à très bientôt, cette fois-ci de visu à ICN Business School. Au revoir.